Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto facile et rapide pour coudre un sac pour son téléphone à porter en bandoulière. Pour réaliser ce tuto, on va avoir besoin de rectangles de tissu de 15 x 20 cm. La anse, elle fait 5 cm sur environ 120, mais on va voir après. En fait, ça dépend de vous. On va faire un essayage à la fin, mais on aura besoin de ce morceau-là. Et deux rabats de 10 x 13 cm. On aura également besoin de deux petits rectangles de 4 x 8 cm. Alors, donc ça nous donne, pour le grand rectangle de 20 x 15, on le fait deux fois dans le tissu, quatre fois dans la doublure. Si vous voulez un peu de renforcement, vous pouvez entoiler deux épaisseurs de la doublure. Attention, il y a beaucoup d'épaisseur. Je vous conseille de ne pas prendre un tissu extérieur trop épais. Et faites vraiment attention aux épaisseurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé un entoilage assez léger et pas un gros entoilage bien molletonné. Ça peut être intéressant, mais méfiez-vous quand même du nombre d'épaisseurs que vous devrez passer si vous avez une machine familiale. J'ai également entoilé un des rabats. Alors, pour le faire, le petit arrondi du rabat, tout simplement, quand on a fait le rectangle de 13 x 10 cm, on vient prendre un objet, une tasse, un verre, une rondelle comme ça, rond. Et pour que ce soit symétrique, on découpe. Et voilà ce qu'on obtient. Je l'ai plié en deux pour être sûr d'avoir les deux mêmes arrondis des deux côtés. On a également besoin d'un petit morceau de scratch. J'ai pris 2,5 cm de scratch pour fermer. On va préférer le scratch à la pression parce que pressionner un sac comme ça au-dessus du téléphone, ça peut l'abîmer. Après, vous pouvez prendre une petite pression à coudre ou alors carrément un fermoir pour sac si vous voulez. Mais là, j'ai voulu faire un tuto avec vraiment du matériel normalement qu'on a déjà en stock. On va commencer avec un de nos tissus extérieurs et le rabat qui est entoilé. Et on va venir coudre le scratch. Alors, on va tracer un petit trait sur le milieu déjà pour repérer le milieu du rabat. Donc, j'ai repéré le centre et je vais me positionner à 2 cm. Du bord en bas pour mettre mon scratch. Donc comme il fait 2,5 cm, on va le centrer. Donc 1,25 de chaque côté. Et on va faire pareil ici à partir du haut, posé en centrant et vous repérez comme ça avec votre stylo. Et donc, je viens également mettre un scratch sur notre tissu principal. On va coudre tout autour. Ensuite, je m'occupe de mes rabats, donc je vais venir les positionner endroit contre endroit et piquer tout autour, sauf sur le bord supérieur. Donc je pique à 1 cm, les marges de 1 cm sont comprises. Essayez d'être assez précis parce que c'est ça qui va vite faire moche si on n'a pas un bel arrondi. Donc on essaie de bien rester à 1 cm du bord en prenant un repère. Une fois que c'est terminé, on va cranter les arrondis. Et on peut même, si on le souhaite, dégarnir les épaisseurs. Je vais dégarnir une seule pour que le relief se voit moins.
Ensuite, on retourne. À cette étape-là, n'hésitez pas à repasser la couture ouverte. Ce sera beaucoup plus joli quand on va retourner, même si ce n'est pas évident. Et si c'est compliqué pour vous, que vous n'avez pas cet outil-là, faites-le avec vos ongles. Essayez de bien ouvrir les coutures avant de retourner. Une fois que c'est fait, on retourne. On pousse bien la couture à l'extérieur. Et puis donc le scratch ici, c'est l'envers. Donc on va pousser sur l'endroit parce que l'idéal serait de faire rouler légèrement la couture à l'intérieur pour pas qu'on la voit. Un petit coup de fer et on va venir surpiquer. On peut remettre un petit coup de fer et notre rabat est terminé. On va prendre nos deux morceaux de doublure qui ne sont pas entoilés. On va créer la poche. Donc déjà, on va recouper 2 cm sur un des petits côtés. Et on va venir ensuite coudre un des petits côtés à 1 cm. J'ouvre ma couture au fer. Je replie. Envers contre envers, je repasse. Et je vais venir surpiquer ce bord. On a tout simplement créé la poche. Donc maintenant, je vais prendre un des morceaux de doublure qui est entoilé. Je vais venir poser la poche au-dessus et je vais bâtir dans la marge de couture. Donc comme les marges sont de 1, on peut par exemple bâtir. Donc vous voyez là, il y a le morceau qui est repassé. Ici, c'est la partie qu'on vient de surpiquer. Et ici, c'est les parties à vif. Donc on peut bâtir à 5 mm. Et moi, je vais tout simplement coudre donc à 5 mm pour maintenir la poche en place. Voilà, comme s'il n'y avait pas de poche, mais ça nous permettra d'avoir une poche à l'intérieur de notre sac. Je vais maintenant prendre le morceau de doublure qui nous reste, qui est entoilé, l'autre morceau sur lequel il y a la poche. Je viens les mettre endroit contre endroit et je vais piquer les deux longs côtés. Et sur le côté du bas, sur lequel la poche est déjà piquée, on va venir juste piquer un petit peu. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on va laisser une grande ouverture pour pouvoir retourner à la fin. Donc là, je suis à 1 cm, je tourne, j'avance de à peu près 2,5 cm et je fais un point d'arrêt. Et là, je reprends 2,5 cm avant la fin, hop. Voilà donc pour la doublure avec la petite pochette à l'intérieur. Maintenant, je prends mes deux morceaux de tissu principal. Alors attention, la seule difficulté, l'erreur qu'on peut faire ici, c'est, et quand on va assembler à la fin tous les morceaux ensemble, c'est de se tromper dans le positionnement du scratch, comme on l'a cousu avant, mais c'est beaucoup plus propre de le coudre avant. Donc déjà là, il faut que le scratch soit en haut, parce que le rabat est, parce que c'est comme ça qu'on a prévu. Donc je me mets deux pièces de tissu endroit contre endroit, avec le scratch qui est vers la partie haute, et je pique en U, pas besoin de laisser d'ouverture cette fois, c'est le tissu principal, comme ceci, à 1 cm. Je crampe les coins. Je retourne proprement, donc je vais d'abord ouvrir mes marges. Et après, en bas, on n'a pas vraiment accès. On peut faire un petit peu comme ça. Vous voyez, avec l'ongle, ça va bien aussi. Ensuite, je retourne. S'il ne se retourne pas assez bien comme celui-là, c'est peut-être qu'on a laissé trop de tissu. Là, je vais enlever un petit peu. Voilà pour notre petit sac. Maintenant, on va préparer les deux petits rectangles. Alors, pourquoi pas accrocher directement la anse au sac? Parce que c'est assez difficile de savoir la longueur qu'il faut. Donc, l'idée, on pourrait mettre des fermoirs en métal, des choses comme ça. Mais comme je vous disais, je voudrais vraiment que ce tuto, ce soit un petit sac qu'on puisse faire, mais juste avec ce qu'on a en stock, pas en allant acheter du matériel spécial pour les sacs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on plie nos petits rectangles envers contre envers. Ensuite, on vient replier les bords vers l'intérieur. Pour créer un petit lien.
Voilà. Et on va venir piquer sur le côté. Vous pouvez les réaliser dans le tissu de doublure, hein. Surtout si votre tissu extérieur il est un petit peu épais. N'hésitez pas à les réaliser ou dans un autre tissu fin assorti. Un tissu fin, c'est bien pour ça. Alors, on arrive maintenant au grand empilement. Donc, on va prendre tout ça. On va couper les coins. Je ne l'avais pas fait, je n'avais pas dit de la doublure. Voilà. Je vais recouper les marges de côté également. Mais on ne recoupe pas le bas parce qu'on a l'ouverture. Et on va... Donc, on a notre petit sac qui est bien repassé. On a notre doublure. On a nos petits liens et notre rabat. Alors, l'idée, c'est de mettre le sac et la doublure endroit contre endroit, de glisser le passant entre les deux et d'également glisser nos deux petits rabats, mais sans se tromper sur le sens. Donc, j'enfile déjà pour commencer le sac dans la doublure. Le côté de la poche de la doublure n'a pas d'importance. Parce qu'on s'en fiche un peu, et de toute façon, il se retrouvera à l'intérieur. Je vais déjà aligner les côtés. Et on repère où est le scratch. Donc moi, il est là. Donc ça veut dire que le rabat, il doit être de... Vous voyez, le scratch, il est là, c'est-à-dire moi sur la partie haute, ici, il y a le scratch. Donc, le rabat, il va devoir être de l'autre côté. Pourquoi ? Ben parce qu'il devra se rabattre au-dessus. Donc, on fait un petit test. Donc là, le sac, c'est pour ça qu'on a mis aussi le tissu extérieur sur l'endroit, parce qu'on va mieux s'y repérer. Donc, le rabat, il devra venir comme ça. Donc, le rabat, on le glisse du côté où il n'y a pas le scratch et avec... on ne voit plus rien. Bon, je recommence. Donc, ici, j'ai le sac et la doublure endroit contre endroit. Le scratch, il est... Du côté supérieur, eh bien, je vais glisser le rabat entre les deux épaisseurs dans le côté inférieur avec mon scratch de rabat vers le bas. Donc là, je vous conseille de faire cet empilement dans le même ordre parce que c'est trop dommage de, ce serait trop dommage de se tromper. Donc d'un côté, on a le scratch du tissu extérieur. De l'autre côté, on a glissé le rabat avec le scratch vers l'extérieur aussi. Les deux scratchs sont à l'extérieur. Le rabat, on vient le centrer. C'est normal qu'il soit plus petit. Un petit peu plus petit. Donc, petit résumé. On a la doublure à l'extérieur, le tissu principal à l'intérieur, c'est endroit contre endroit. Le scratch du tissu principal, il est sur le tissu principal et côté extérieur. Le rabat est glissé vers le bas entre la doublure et le tissu extérieur. Et le scratch du rabat est vers l'extérieur aussi, donc vers le bas. Maintenant, on va glisser les deux petits passants qu'on plie en deux sur le bord du rabat entre le rabat et le tissu principal. Attention, on serait tenté de les mettre à l'extérieur, mais non. On les met du côté du rabat où il n'y a pas le scratch, parce qu'ils ne doivent pas arriver à l'intérieur du rabat, ils doivent arriver à l'extérieur. Donc je les glisse comme ça sur le côté du rabat. Le rabat il est un petit peu plus court, c'est normal, il est à l'intérieur. Et on va venir faire le tour. Et donc attention, là il y a beaucoup d'épaisseur. Si jamais l'endroit du passant est vraiment trop épais, cousez partout sauf sur le passant et après utilisez une petite cale. Et le passant, vous pouvez aussi le faire avec une doublure pour que le tissu soit assez fin. Alors on va venir coudre tout autour.
à 1 cm du bord. Pas besoin de laisser d'ouverture. L'ouverture, on l'a laissée déjà dans la doublure. Et là, c'est le meilleur moment. On espère qu'on ne s'est pas trompé de côté. Si vous avez suivi les instructions, normalement, ça va bien se passer. Et on va tout retourner. Voilà, on se retrouve impeccable. On peut remettre un petit coup de fer si on veut. Donc là, il faut que ces deux passants soient bien de ce côté-là. Le côté où il n'y a pas le scratch. Et vous voyez, on rentre la doublure à l'intérieur. Mais avant de rentrer la doublure, ce qu'on peut faire, c'est sortir les coins de la doublure et rentrer les deux bords et fermer cette couture. On peut la fermer à la machine, on ne la voit pas, elle est au fond du sac. Et donc voilà, on a le petit sac avec sa poche. Le petit scratch qui peut venir se fermer ici. Et les petits passants. Donc, bon, après je repasserai un petit peu. Et les passants, ce qu'on va faire, l'idée, c'est maintenant de pouvoir en fait mesurer parfaitement la longueur de la anse sans avoir à mettre de anse réglable. Enfin, de anse de bandoulière. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser carrément mon mètre ruban. Et d'un côté, je le passe, puisqu'on va avoir une sangle qui va faire comme ça, et qui va venir ici. On rajoutera 2 cm pour pouvoir plier les bords de côté. Mais là, je prends mon mètre de couturière, mon mètre souple, je replie ici à l'intérieur, je mets un petit clip. Ensuite, je fais le test sur moi. Et donc, je mets ma pochette sur le côté comme je voudrais qu'elle soit, comme si le mètre de couturière c'était la bandoulière. Hop, la fait passer derrière. Et puis après, bon, c'est une question de goût, hein. Souvent on veut qu'elle soit à peu près au niveau de la hanche. C'est assez agréable, comme ça on peut facilement prendre son portable. Un petit peu plus haut, ça peut être joli aussi, au choix. Et puis ce qui est bien, c'est que bah, tout simplement, on peut la mettre dedans. Bon, j'avoue que je suis assez contente de mon idée. J'ai l'impression que c'est super pratique parce que c'est pénible. Les sacs, souvent, quand c'est pas réglable, c'est jamais la bonne longueur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de fermer et de mettre un petit clip ici et puis de tester. Vous pouvez aller vous voir devant la glace, vous pouvez essayer d'ouvrir, mettre votre portable, voir si ça vous convient. Alors, esthétiquement, un petit peu plus haut peut-être. Un tout petit peu plus haut. 118 plus 2, 120. Voilà. Et j'aurais donc, j'ai plus qu'à coudre cette anse. Alors, je sais pas pourquoi, je sais plus le mot d'un coup. Donc, le grand rectangle de tissu, on va le faire de 5 cm de largeur sur la longueur que vous venez de mesurer. Pour moi, 120 cm. Si vous n'avez pas de rectangle assez long, donc ici 120 cm, rien n'empêche de faire par exemple 61 et 61, de les coudre ensemble. Pourquoi un de plus? Bah pour la marge, et vous cousez bout à bout pour que ça fasse votre long rectangle. Voilà, donc pour moi 120 sur 5. Même principe que pour les petits passants, mais en plus long. Je plie envers contre envers, je repasse pour marquer le pli. Je viens rabattre chaque bord vers la pliure centrale. On fait ça tout du long. Je vous montre juste sur une petite longueur et on replie l'ensemble. Voilà ce qu'on obtiendra. À chaque extrémité, on replie sur 1 cm et ensuite on fait le pliage pour avoir un joli bord. Ensuite, je vais venir surpiquer soit les deux côtés, si vous trouvez que c'est plus esthétique, soit en tout cas au moins le côté ouvert. On n'est même pas obligé de coudre le petit bout, ça va tenir tout seul.
Donc là, on a à peu près 1,2. Donc faire 2,4 plus des marges de couture, vous pouvez prendre 2 cm, donc faire 4,4 cm. Juste plier endroit contre endroit, comme ça dans la largeur, coudre et retourner. Si vous avez un outil pour retourner. Si vous avez l'impression que ça va faire trop d'épaisseur, on peut faire comme ça aussi. Je recommence. Il ne reste plus qu'une chose à faire, prendre notre petite pochette et sur chacun des côtés, glisser ce qu'on vient de coudre à l'intérieur, faire ici un petit retour et venir piquer. Alors, je peux faire comme on avait fait avec le ruban. Donc, venir piquer ici. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre petit sac est terminé. Il n'y a plus qu'à glisser le téléphone et quelques petites autres choses. Quelques autres petites choses. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous servir. Ça fait longtemps que je voulais le faire, ce tuto-là. Et voilà, le petit sac terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'espère que vous montrerez vos jolis petits sacs sur mon compte Instagram Urban Fairy Patterns, j'adore voir vos réalisations. J'espère que ça vous servira et que ça fera aussi des heureux si vous faites des petits cadeaux en offrant des sacs en bandoulière, que peut-être que vous vous en coudrez plein selon les tenues. Voilà, dites-moi si ça vous inspire, dites-moi ce que vous avez prévu avec ce tuto. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite. A bientôt. Tu dis au revoir Lana? Non, tu fais coucou? Non. Non, tu fais un petit coucou comme ça? Non. Regarde là, il y a Lana. Tu fais coucou? Maman. Oui. Et là, tu fais coucou? Faire comme ça.